Sœur Angélique Wolang, bonjour. Bonjour mon père. Vous êtes sœur salésienne de la Visitation, vous êtes même cette année la supérieure provinciale. Ma sœur, vous nous présentez un livre que vous avez publié aux éditions Baobab ici à Kinshasa. Le livre s'intitule « Me voici dans tes murs, un chemin de Kinshasa à Jérusalem ». Les livres, il n'y en a pas beaucoup qui paraissent à Kinshasa. Des livres écrits par des religieuses, il y en a encore moins. Qu'est-ce que vous avez pensé nous transmettre, ma sœur? Je voulais simplement partager mon expérience de pèlerinage en Terre Sainte en octobre 2019, fait avec un groupe de pèlerins organisé par les sœurs salésiennes de Don Bosco. Nous sommes partis de Kinshasa à Jérusalem, accompagnés d'un prêtre jésuite, Georges Katumba, d'heureuse mémoire. Nous avons voulu marcher sur les pas de Jésus, découvrir les différents lieux qui marquent notre foi et qui nous fait penser à tous ceux qui nous ont transmis la foi. Et nous avions un guide qui est habitué à faire les pèlerinages avec différents groupes qui nous a expliqué, qui a marché avec nous à travers Israël, où nous avions visité différents lieux qui ont marqué la vie de Jésus avec ses disciples. Nous avons vu les lieux des sacrifices d'Abraham, des sacrifices d'Isaac. Et nous avons été à Capharnaüm, à Cana, nous avons visité les lieux de l'Annonciation. Nous avons été plusieurs jours au bord du lac de Tibériade, ou les lacs de Génézareth, ou les lacs de Galilée. Nous avons été au mont des Oliviers, fait le chemin des croix jusqu'à Golgotha et plusieurs d'autres lieux. Et quand nous fêtons Pâques en cette année 2021, tous ces lieux que vous citez, vous les revoyez dans votre mémoire lorsque vous écoutez la parole des dieux, lorsqu'à l'église, dans les cérémonies, dans la liturgie, vous entendez tout ça. C'est évident que quand je lis l'évangile ou quand je suis à la messe, quand les prêtres proclament la parole de Dieu, je revois les pèlerinages. C'est comme si je refaisais un pèlerinage chaque jour dans ma vie. Je revois ces lieux et ça me parle plus. Par exemple, en ce temps pascal, si je commence par les vendredis saints, j'ai dû regarder les différentes photos prises. Je me retrouvais dans les jardins des Oliviers. J'ai vu Jésus-Christ en train de connaître l'angoisse, en train de prier pour ses disciples. Et c'était aussi pour moi une occasion de m'unir avec tous ceux qui connaissent les moments difficiles. Et en cette période de la COVID-19, j'ai aussi pensé au monde entier pour offrir cette souffrance au Seigneur et demander, si possible, la guérison pour tous ceux qui sont malades et pourquoi pas la fin de cette pandémie. La pandémie qui a empêché d'aller en Terre Sainte, il n'y a pas eu de pèlerinage à proprement parler, on dirait. Je ne crois pas, parce que ce n'est pas possible en ce moment de franchir les frontières. Les gens se contentent de lire l'évangile ou d'écouter des prédications. Et il y a peut-être aussi des livres écrits qui parlent de Jérusalem, qui donnent des expériences des gens qui ont fait ces pèlerinages. Tel est mon cas. On peut trouver dedans
peut-être des sujets de méditation qui nous rapprochent plus de tous ces lieux saints. Parmi ces livres, oui, vous avez dit, il y a le vôtre « Me voici dans tes murs, un chemin de Kinshasa à Jérusalem ». Sœur Angélique Wolang, vous êtes une ancienne maîtresse des novices. Alors, ce livre, vous, en dédicace, vous dites le destiné à vos jeunes consoeurs. Quelle expérience particulière avez-vous de ce temps de formation, de formatrice pour penser à vos jeunes consoeurs lorsque vous avez publié ce livre? Le temps de formation ou le temps où j'ai été maîtresse des novices, pour moi, c'est un temps de ressourcement. C'est un temps d'approfondissement aussi. Si j'ai pensé à mes jeunes consoeurs ou à mes jeunes sœurs postulantes et novices, c'est parce que nous pensions que tous ces liens existaient au ciel. Nous n'avions jamais pensé qu'un jour on pouvait y arriver et se rendre compte que réellement cela existait. Donc c'était une joie pour moi et aussi pour elle de savoir et de découvrir. Donc c'est un partage de foi et que je voulais faire avec mes jeunes sœurs parce qu'elles me l'ont demandé. Et ce livre est truffé, si j'ose dire, de photos où effectivement le lecteur, la lectrice peut s'apercevoir, peut voir presque les lieux dont nous parle les psaumes, les lieux dont parle la Bible. Vous avez profité un peu des technologies modernes pour faire des photos numériques. Oui, je faisais des photos chaque jour au fur et à mesure que nous avancions dans le pèlerinage et je pouvais envoyer à mes consoeurs pour qu'elles se rendent compte que réellement ça existait. Ce sont elles aussi qui m'ont poussé à écrire, qui m'ont encouragé et à mettre cette expérience par écrit pour leur donner aussi le goût d'envisager, si jamais cela pourrait être possible, d'aller visiter aussi la Terre Sainte et de marcher aussi sur les pas de Jésus. Ma sœur Angélique Wolang, on voit sur la couverture une personne qui a le front contre un mur. Si vous pouvez nous en dire quelque chose. Cette personne, c'est vous, n'est-ce pas? La personne qui a le front contre le mur, c'est moi-même. C'est au mur des Lamentations à Jérusalem. C'est un lieu où j'ai été personnellement touchée de voir le nombre de personnes adultes, enfants, vieilles, vieilles, qui venaient pour prier. Et c'était pour moi aussi une occasion d'offrir toutes les personnes qui ont marqué ma vie au Seigneur. Je peux dire aussi de pleurer et de demander la miséricorde de Dieu. Ma sœur, votre livre se termine par un dernier chapitre. Je dis que ce sont de tout petits chapitres. Hein. Le livre a une centaine de pages. Et alors, le dernier chapitre s'intitule « De Jérusalem à Kinshasa ». C'est le chemin du retour. Oui, c'est le chemin du retour. Je ne pouvais pas rester là-bas. Il fallait que je revienne pour annoncer la bonne nouvelle. Dire aux gens ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai découvert. Dernière chose, ma sœur, si je peux vous demander de juste nous lire la prière par laquelle vous fermez votre livre, une prière qui est destinée à notre pays, si j'ai bien compris. Seigneur, je te loue et je t'offre notre beau pays, la République démocratique du Congo. Sanctifie-les, sanctifie tous ceux qui y habitent. Tu nous as donné beaucoup de richesses, nous t'en disons merci. Donne-nous l'intelligence et le discernement de savoir les utiliser au profit de tout le monde. Donne-nous un cœur généreux et sensible
au besoin de ceux qui frappent à notre porte. Tu m'as donné une famille, des collaborateurs, des amis, bénis-les. Fais que tout ce que nous faisons contribue à l'avènement d'un monde juste. Amen. Merci, sœur Angélique Wolang, salésienne de la Visitation. Merci, mon père.